Bonjour, salut à tous les amis, c'est le Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gameplay, cette fois-ci sur du Asphalt Legend Unite. Et oui, du coup, donc c'est pas un nouveau jeu, mais du coup, enfin c'est un petit peu une espèce de suite à Asphalt Legend, à Asphalt 9 Legend du coup, puisque en fait s'il y en a qui ont encore le jeu Asphalt 9 Legend, et ben il suffit de faire la mise à jour qui du coup va vous faire passer à Asphalt Legend Unite. Voilà, donc c'est le jeu que je vais vous faire aujourd'hui en vidéo du coup. Donc comme ça on va démarrer directement le jeu. Donc du coup faut que vous fassiez la mise à jour directement de Asphalt 9 Legend à Asphalt Legend Unite du coup, pour avoir le jeu, enfin pour avoir la version en gros Asphalt Unite quoi, simplement. Donc voilà, donc c'est un peu une sorte de suite à Asphalt 9 Legend si vous voulez. Donc c'est pas, pour moi c'est pas tellement un nouveau jeu. C'est vrai que comme je vous ai dit sur mes réseaux sociaux, je suis un petit peu déçu, mais bon en vrai ça va quoi. J'ai mis Asphalt Legend en vrai, donc je me rappelle plus si je vous ai déjà fait une vidéo sur l'ancien Asphalt du coup, donc qui était avant Asphalt 9, enfin Asphalt Legend 9 du coup, enfin comme ça, bref. Du coup voilà, du coup là c'est comme d'habitude, j'ai mon profil ici. Du coup il faut donc faire pour vous la mise à jour pour passer donc à Asphalt Legend Unite, voilà, tout simplement. Donc on va faire quelques courses quand même. Donc là vous avez les passionnés, on s'en fout quoi. Là vous avez les événements. Enfin, vous avez événements quotidiens et événements spéciaux, pardon, je veux dire. Là, bon, là, c'est le multijoueur, hein, évidemment. Donc, vous avez plusieurs niveaux, enfin, hein, plusieurs niveaux, plusieurs types de trucs multijoueurs, on va dire. Donc, voilà, simplement. Hein. Donc, nous, on va s'intéresser directement dans le mode carrière. Donc, on va se faire directement des courses rapides. Tout simplement. Hein. Donc, du coup, là, de mon côté, j'avais tout fait déjà. Quasiment hein, dans le chapitre 1 quoi. Oui, parce que du coup il y a, je crois il y a 6 ou 7 chapitres, je sais plus exactement, mais bon bref. Donc là vous voyez que je suis à 9% du coup dans le jeu. Donc là ouais, j'avais tout fait du coup. Enfin presque tout du coup, parce que là il me manquait 2 courses. Mais bon bref, voilà quoi. Donc du coup, ah mais là il me manquait 2 courses aussi, bon ça c'est pas bien grave. Alors du coup là-dedans, il me faut encore pas mal de trucs à débloquer, mais bon après du coup ce qu'on peut faire c'est se mettre là-dedans. Donc là on a drapeau de saison. Ouais donc c'est le truc de l'Himalaya là. Et après c'est d'autres trucs à débloquer, donc voilà, ok. Donc du coup on va se mettre là-dedans. On va se faire cette course là, Himalaya du coup. Voilà. Donc là vous avez le choix des voitures. Hein. Enfin de quelques voitures que vous pouvez jouer du coup. Donc là moi par exemple j'ai une Mitsubishi. Une BMW, une Chevrolet, une Nissan, une DS Automobile, une Dodge et une Lotus ainsi qu'une Ford, voilà tout simplement. Donc du coup, moi je pense que je vais partir sur la petite DS Automobile, pourquoi pas. Donc qui s'appelle la DS Itens là. Je pense que je vais partir sur ça du coup. Ça pas mal. Donc évidemment vous pouvez aussi améliorer vos véhicules et ainsi de suite. Hein. C'est ça non? Là, quand je clique sur le plus là. Ah bah voilà. Appliquer 5000. Oh, j'aime pas assez. Ah bah si c'est bon. Ok parfait. Comme ça moi j'ai mis un peu plus de nitro dans la voiture quoi. Donc du coup on va se lancer directement la course. Enfin cette première course du coup. Donc ça s'appelle Himalaya, tout simplement. L'objectif de course évidemment de gagner la course, hein, mais bon ça même si je perds ou quoi on s'en fout, c'est pas grave. C'est vraiment histoire de vous passer le jeu. C'est parti, première course. Tiens, mange.
me fait dépasser. Bouge. Putain, j'étais premier. Non. J'ai bien fait d'améliorer le nitro d'essai de voiture les gens. J'ai bien fait hein. Oh la vache. Premier quoi. Wouah. Oh putain. Ah oh, j'ai eu chaud. Ah oh, putain. Allez ça c'est fait. Ah oh, putain. C'est quoi, c'est une course ou c'est autre chose? Moi bon, je crois que c'est une course. Ah putain, c'était chaud. Oh la vache, mon dieu. Parce que là, je crois que c'est que... y a que les Malins, y a les Shanghai. Ah non, y a San Francisco aussi. Mais d'autres américains, le Caire. Et ouais, je crois que c'est tout. San Francisco. Ah, y a Rome aussi. Ok. Wouah. Ah, comment c'était chaud cette course-là. Putain, la vache. Là, je crois que je vais reprendre la même voiture. Hein. Bah, après, je sais pas, mais. Ah mon dieu. Ça c'est vraiment chou les gens. Hein. Donc, il y a trois qui sont vraiment plus, c'est celle-là, la Dodge, et je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais celle-là aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais la Nissan Néon Edition là. Bah, ça colle juste pour cette course, je vais vous la tester. Comme ça, au moins, ça sera fait quoi. J'ai un petit peu l'améliorer. Évidemment. Oh la vache! Putain, c'était chaud! Genre, à un moment donné, j'étais premier, je me fais dépasser, je repasse à la 4ème, 5ème, et après, je les ai tous tracés, hop, re-premier! Putain, la vache, c'était chaud! Ninja. Allez, on va améliorer tout ça. Histoire que la voiture aille un peu plus vite, quand même. Voilà, super. Ok, super. Voilà, nickel. Comme ça, moi, ça sera un petit peu amélioré. Pareil, au niveau des couleurs, je peux pas encore modifier ou quoi. Allez, pour me faire direct jouer. Et puis, c'est parti. On est 20 secondes, ok. Cascade 5. Il faut que je gagne la course. Ah la vache, à la sortie. C'est une course de nuit. Oh, le néon, comment ça brille. Oh le bâtard. Mais non. Mais moi je suis complètement de la merde aussi. Alors voir mec. Un petit saut. Attends. Ok parfait. Oh, il s'est renversé l'autre. Allez, au revoir. Oh merde. Non. Depuis quand je vais essayer dans la mauvaise direction. Oh, je suis dégoûté là. Là, j'ai un peu fait de la merde. Là, je sais même pas si c'est rattrapable parce qu'on s'en a un tour à chaque fois. Petit saut. Ça a abusé. Petit saut, je me foire.
Incroyable. Donc là, que je passe à droite ou à gauche, c'est pareil. Du coup, j'aimerais tester la même course avec la voiture, avec la voiture que, avec laquelle j'ai testé, enfin que j'avais gagné la première course du coup. Alors attendez, elle est où? Ah, elle est là. Voilà, parfait. Hop, c'est parti du coup. On se refait la même course, mais du coup là j'ai changé de voiture. Donc toujours sur Shanghai. Hein. Donc là c'est la balade à Nanjing. Aïe! C'est 60%. Allez hop! Au revoir! Oh non! Ça c'est dur. J'ai eu le temps d'être devant zone. C'est déjà pas mal. Ah la vache quand même. Ouais, suivant. Ok. C'est une course de rotation. Du coup on va se refaire la course Himalaya, mais je pense que c'est un autre endroit quoi. Ah là, c'est carrément une épreuve chrono. Oh what. Eh ben... Est-ce que je chante avec celle là ou pas? Non, je pense pas. Vaut même pas prendre le risque. On va prendre celle-là, du coup, ce serait mieux, je pense. Ok. Bah, du coup, let's go direct. Parce qu'apparemment, je peux pas trop améliorer ou quoi. La course, ouais, bon, ça. Wow, en 90 minutes! Enfin, je pense que c'est même 90 secondes, mais bon, bref. On va faire un speeder. Ok. Merde, j'aurais dû prendre le tremplin. Parfait. Oh, ouais, c'est saut. Wouhou. Parfait.
Ça va, heureusement qu'elle s'est rapide cette course, cette voiture, je veux dire. C'était chaud. La vache. Donc j'ai fait en 1 minute 20. Vache quand même. C'est chaud. C'était chaud. Mon dieu. Bon bah du coup ça c'est fait. Ah ouais là il me faut deux autres drapeaux genre. Ah c'est chaud. Bah oui forcément. Forcément. Sinon je vais me faire un autre truc. Un autre truc d'épreuve quoi. Genre on va aller là dedans. Et là donc là c'est j'avais déjà débloqué. Donc là on a Midwest américain. Et là aussi. Donc on va se faire celui-là déjà pour commencer. Alors. Ah bah là j'ai que ça comme voiture. Ok. Alors du coup. Bah là je pense que je vais partir sur celle-là. Hein. Là du coup la Ford. La Ford Shelby GT 350R du coup. Hop. Je peux pas les mélanger là non plus. Ah si, ok. Parfait. Quand c'est un petit peu plus rapide quand même. Ok. Parfait. Au niveau de l'overlock, je pense que je peux rien faire. Ok. Allez, go direct. Ça, on va voir ce que... Donc, attends. Gagne avec Chevrolet, machin. Et gagne la course, d'accord. Je propose qu'on fasse une petite dernière course et puis après on va s'arrêter là pour cette vidéo les gens. Donc ouais pareil. Sinon attendez. Sinon on va se mettre dans ce truc là, le classe pro je sais pas quoi. Et du coup, même si j'avais tout fait là dedans, c'est pas grave là, on va se faire... Là je sais pas en vrai. Hein. On va se faire la première course, vous savez quoi. Voilà comme ça, il suffit juste de... De gagner la course, tout simplement. Voilà. Bon, ça, on s'en fout. Alors, du coup, la première fois, on va se faire avec la Dodge là. Pour finir vraiment cette course. Donc, évidemment, on va améliorer ça. Hein, si je peux. Ok, parfait. Hop. Tac. Parfait. Et parfait. Voilà, nickel. Et comme ça, je joue direct. Impeccable. Le de Jazeera. Donc, le Caire. C'est parti, dernière course.
moi j'aime pas en fait. Impeccable. Donc ouais, c'est pas des courses très longues hein, dans ce jeu. Hein. Vraiment des courses assez rapides. Donc voilà. Bon, et bien écoutez les amis, je vais vous laisser ici donc pour cette vidéo sur Asphalt Legends Unite. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter. Et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube principale et secondaire. Et puis bah si vous voulez me parler, ce sera du coup directement sur mes réseaux sociaux qui seront donc en description. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et ciao les amis.